Grosse surprise pour les patients de la polyclinique du Grand Sud. Ce matin, c'est un important dispositif policier qui les accueille à l'entrée de l'établissement. Le personnel de santé a été pris de panique. Ce matin, très tôt, un de nos agents nous a alertés parce qu'il avait subi un comportement suspect d'une personne qui portait un sac à dos et qui était soi-disant partie en courant de la clinique en criant des mots surprenants. Donc elle a alerté immédiatement notre chaîne hiérarchique qui a alerté la police. C'est cet homme habillé d'un treillis de l'armée qui a provoqué cette psychose. Pas un terroriste, ni un forcené, simplement un père de famille ayant couru en urgence pour assister à l'accouchement de sa femme. Pour un couple qui venait accoucher, oui, c'est quelque chose qui va les marquer jusqu'à leur vie, qui va les marquer toute leur vie, je pense, oui, tout à fait. Mais bon, le principal pour eux, c'est que l'événement se termine bien. Le bâtiment a été fouillé par les forces de l'ordre durant 2 heures, mais plus de peur que de mal, tout est revenu à la normale en milieu de matinée. Le bébé, un garçon, lui se porte bien.